Bonsoir, je m'appelle Josiane, j'habite Tahiti en Polynésie française. Je voudrais partager mon expérience avec mon petit-fils Manate, âgé de 8 ans. Il va entrer en CE2. Ayant un problème d'audition, il est hyperactif, trouble du langage et difficultés dans les apprentissages de la lecture. Il est suivi par un ORL. Et depuis le mois de janvier 2020, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Daniel Segas. J'ai pu donc acquérir le CAS for Braille. Et Daniel m'a beaucoup conseillé au travers des vidéos postées sur YouTube. Elle m'a accompagnée par des entretiens vocaux, par Messenger, sur Messenger. Et qui m'ont beaucoup motivé à prendre du temps dans l'accompagnement de Manatei. Aujourd'hui, les résultats de ces efforts ont porté des fruits, car au bout de 6 mois d'accompagnement, les progrès sont évidents en lecture, en expression orale. Aujourd'hui, mon petit-fils Manatei articule mieux. Il a un meilleur estime de soi. Et on a constaté aussi une nette amélioration de son acuité auditive suite aux examens, aux tests audiogrammes chez l'ORL. La tendance de la courbe auditive est positive. Il entend des sons aigus qu'il n'entendait pas l'an passé. Que des nouvelles rassurantes et encourageantes pour poursuivre l'utilisation au quotidien et avec plus de sérieux du CAS for Brain. Il est évident que cet outil a démontré son efficacité. Je suis rassurée aujourd'hui et je voudrais remercier vraiment Daniel Segas pour ses précieux conseils et son accompagnement professionnel. Je vais recevoir très prochainement un autre outil, le Sansouri, afin d'aider mon petit Manatei contre son hyperactivité, à régulariser ses émotions et lui permettre de développer des compétences cognitives. Merci pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Manatei et je suis le petit-fils de Maman Moon et j'entends bien et en plus je lis de mieux mais grâce au casque parce que le casque quand on met le casque ça vient là quand on passe et ça vient jusqu'au cerveau et le cerveau l'attire. C'est bon. Merci, Mamoun et Daniel.